des 61 épisodes Jules Verne saga précédents, nous avons plongé dans l'univers des voyages extraordinaires en suivant les aventures des héros des romans de Jules Verne. De Samuel Ferguson dans 5 semaines en ballon à Jane Buxton dans l'étonnante aventure de la mission Barsac, ces extraordinaires voyageurs nous auront entraînés dans toutes les parties des mondes connus et inconnus de Jules Verne. Cependant, ce cycle des voyages extraordinaires ne se limite pas à ces romans. En effet, des textes plus courts de Jules Verne, des nouvelles, ont également été publiés dans cette collection des éditions Hetzel. Certains ne font parfois que quelques pages, tel le conte fantastique Fritz Flack, dans lequel Jules Verne met en scène un médecin dont la règle est de ne soigner que contre espèces versées d'avance. Le docteur Trifulgas ne croit en effet à rien, pas même à sa science, excepté pour ce qu'elle rapporte. Mais un soir de tempête, alors qu'on le supplie de venir soigner un malade et qu'il n'accepte en maugréant que contre le paiement d'une somme importante, il a la bien désagréable surprise de constater que la maison qu'on lui désigne dans le brouhaha de la tourmente ressemble étrangement à la sienne propre. Est-ce une hallucination ? Il reconnaît sa chambre, son lit ! Et lorsque, d'une main tremblante, il ouvre les rideaux de ce lit, il pousse un cri. C'est le docteur Trifulgas. C'est lui-même qui est allongé là, mourant dans son lit. Et le docteur Trifulgas, malgré tout ce qu'a pu lui inspirer la science, se meurt entre ses mains. L'écriture de certaines de ces nouvelles remonte parfois aux années 1850, bien avant que Jules Verne ne commence l'écriture des voyages extraordinaires. Mais dans ces textes, comme le fait remarquer son éditeur Hetzel, nous pressentons les germes des grandes aventures verniennes. Ainsi, une nouvelle, telle Un hivernage dans les glaces, évoque sans nul doute l'aventure du capitaine Hatteras, et un drame dans les airs nous entraîne déjà dans une aventure en ballon. Comment ne pas songer également à la nouvelle fantastique Maître Zacharius ? Cet horloger inventeur de montres à la régularité légendaire dans laquelle il avait mis son âme et le battement de son cœur jusqu'au jour où ces merveilleuses pièces chronométriques commencèrent à revenir dans son atelier pour cause de dérèglements inexplicables. Désespéré, il n'aura pour recours que de marier sa fille au temps lui-même, incarné par un être étrange et inquiétant. L'importance des nouvelles dans l'œuvre vernienne est telle que certains volumes des voyages extraordinaires seront même parfois entièrement constitués de nouvelles. C'est précisément le cas de celui qui porte le nom de Dr. Ox, en référence au titre de la première nouvelle de ce recueil publié en 1874, probablement l'une des plus célèbres de Jules Verne. L'histoire d'une fantaisie du docteur Ox se déroule en Flandre, dans la petite ville de Quiquendone, où des phénomènes surprenants, extraordinaires, invraisemblables se sont produits. Il faut tout d'abord préciser que les habitants de cette petite ville, les Quiquendoniens, sont calmes, modérés, froids, flegmatiques, en un mot, nous précise Jules Verne, flamands. C'est précisément le caractère passif des Quiquendoniens qui avait poussé l'étonnant docteur Ox à venir tenter une expérience en trompant la confiance de ces braves gens. Ce docteur Ox est un excentrique personnage, au sang chaud et impétueux, et qui contrastait singulièrement avec les habitants de Quiquendone. Le docteur Ox était arrivé dans cette ville depuis 5 mois en compagnie de son préparateur Gédéon Hygène. Il y avait fait la proposition au bourgmestre de la ville, le Placide Van Tricasse, et aux membres du conseil municipal de mettre en place à ses frais un système d'éclairage de la ville. Le docteur créa ainsi une usine pour la production d'un gaz éclairant.
Après plusieurs mois de travaux, des tuyaux de conduite circulaient désormais sous le pavé des rues et devaient sous peu s'épanouir sous forme de bec dans les édifices publics et même dans les maisons particulières de certains amis du progrès. Il est à préciser que l'originalité de ce mode d'éclairage était due à l'utilisation d'un gaz moderne, le gaz oxyhydrique, que le docteur savait obtenir grâce à un procédé de son invention et qui produisait un éclat pouvant rivaliser avec celui électrique. La ville de Quiquendone allait ainsi gagner un éclairage splendide, mais c'était là ce dont le docteur Ox et son préparateur se préoccupaient le moins, ainsi qu'on le verra par la suite. À vrai dire, des faits étranges, inimaginables pour des Quiquendoniens, commençaient à se produire dans la tranquille cité. Un soir, lors d'une réception, deux notables de la ville se mirent à parler politique. Le bourgmestre joignit les mains, parler politique. Cela ne s'était pas fait à Quiquendone depuis au moins un siècle. Le lendemain, le docteur Ox, radieux, est en conversation avec son assistant. Nous apprenons ainsi que le savant a commencé une expérimentation sur les habitants de la ville. Son gaz oxyhydrique, destiné à l'éclairage, a surtout pour but de produire une excitation dans l'appareil respiratoire des habitants afin de transformer leur comportement. « Eh bien, Eugène, eh bien !» s'écria Docteur Ox en se frottant les mains. « Vous les avez vus ? Ces bons Quiquendoniens à sang-froid, se disputant, se provoquant de la voix et du geste !»« Déjà métamorphosés, moralement et physiquement, et cela ne fait que commencer. Attendez-les au moment où nous les traiterons à haute dose !»« N'est-il pas à craindre ?» fit remarquer en souriant le préparateur du docteur. Que nous ne désorganisions un peu leurs poumons à ces braves habitants ? Tant pis pour eux, répondit le docteur Ox. C'est dans l'intérêt de la science. Que diriez-vous si les chiens ou les grenouilles se refusaient aux expériences de vivisection ? Comprenez donc, ajouta-t-il, une ville où depuis un siècle il n'y a pas eu l'ombre de discussion, où les charretiers ne jurent pas, où les cochers ne s'injurient pas, où les chevaux ne s'emportent pas, où les chiens ne mordent pas, où les chats ne griffent pas. Une ville dont le tribunal de simple police chôme d'un bout de l'année à l'autre. Une ville où on ne se passionne pour rien, ni pour les arts, ni pour les affaires. Une ville où les gendarmes sont à l'état de mythe et dans laquelle pas un procès verbal n'a été dressé en 100 années. Une ville enfin où depuis 300 ans, il ne s'est pas donné un coup de poing ni échangé une gifle. Comprenez bien que cela ne peut pas durer et que nous modifierons tout cela. Et si l'expérience est décisive, ajouta le docteur Ox triomphant, nous réformerons le monde. C'est une bien curieuse épidémie qui se répand ainsi dans la ville par la diffusion du gaz du docteur Ox. Toutes les lois de la nature semblaient être bouleversées jusque dans le monde animal et même végétal. Tous ces Quiquendoniens, si sobres jusqu'alors, commettaient désormais de véritables excès de nourriture et de boissons, provoquant de nombreuses indigestions. Cependant, cette disposition des esprits produisit encore d'autres effets assez curieux, des talents qui seraient restés ignorés sortir de la foule. Des aptitudes se révélèrent, des artistes, jusque-là médiocres, se montrèrent sous un jour nouveau. Des hommes apparurent dans la politique aussi bien que dans les lettres. Des orateurs se formèrent aux discussions les plus ardues. Et sur toutes les questions, ils enflammèrent un auditoire parfaitement disposé d'ailleurs à l'inflammation. À propos de tout et de rien, et même jusqu'à déclarer la guerre à la ville voisine. Le docteur Ox ne pouvait contenir sa joie devant le succès de son expérience. « N'avais-je pas raison ? » dit-il à son préparateur. « Voyez à quoi tiennent non seulement les développements physiques de toute une nation, mais sa moralité, sa dignité, ses talents, son sens politique. Ce n'est qu'une question de molécules !» Et son préparateur commençait à trouver que l'expérience allait désormais trop loin et qu'il était peut-être temps de fermer le robinet du gaz oxyhydrique. D'ailleurs,
tous deux en subissaient eux aussi les effets. Comment se termine cette fantaisie ? Je vous laisse découvrir par vous-même la suite de cette aventure où, comme l'écrit avec humour Jules Verne en titre de l'un des derniers chapitres, où les choses sont poussées si loin que les habitants de Quiquendone, les lecteurs et même l'auteur réclament un dénouement immédiat. Le succès d'une fantaisie du Dr Ox sera d'autant plus important en étant adapté pour la scène dans un opéra bouffe mis en musique par le célèbre Jack Offenbach. Il est à noter que ce thème de la respiration d'une surdose d'un gaz, tel l'oxygène, est récurrent dans les romans de Jules Verne. Le capitaine Hatteras, avec ses compagnons, lorsqu'ils arrivent près du pôle, se retrouvent ainsi dans une atmosphère surchargée d'oxygène où ils sont en proie à une surexcitation. Mais nous pourrions aussi évoquer le roman Autour de la Lune, où, comme nous l'avions déjà vu dans un épisode précédent, un robinet d'oxygène mal réglé dans l'habitacle de l'engin va provoquer une hystérie hallucinante chez nos trois spationautes. Mais ici, avec le docteur Ox, il s'agit d'une expérimentation scientifique faite sur toute une population à son insu. Jules Verne met ici en garde les risques encourus par l'humanité d'une utilisation pernicieuse de la science et de la technique. Et d'ailleurs, ne pourrait-on pas aujourd'hui remplacer ce gaz oxyhydrique par bien d'autres agents technologiques de notre époque ? Les nouvelles de Jules Verne sont ainsi des pièces essentielles du cycle des voyages extraordinaires qui compte 18 nouvelles en complément des 62 romans, ce qui donne le chiffre de 80, comme le tour du monde en 80 jours.